Et salut tout le monde, ici Grugal, on se retrouve pour la V2 du tutoriel pour craquer Minecraft. Alors, j'avais déjà fait un tutoriel pour ça, sauf que le problème c'est que c'était l'ancienne version de Minecraft. Je me suis dit, autant vous faire la nouvelle pour plus que les gens téléchargent l'ancienne version. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien dans la description, donc je vais tout faire en même temps que vous. Vous arrivez ici, alors vous attendez 5 secondes. Surtout, cliquez pas sur ce qui est en bas ici. Vous attendez ici et il y a écrit passer l'annonce. Vous cliquez et vous arrivez sur ce Mediafire. Alors, vous cliquez sur Download. Vous attendez ici que ça se télécharge. Hop. Alors, une fois que c'est téléchargé, donc ça met vraiment pas longtemps. Vous voyez là, c'est déjà fini. Attends, juste un petit peu. Ok, c'est bon. Alors, vous le faites glisser où vous voulez. Et alors, vous faites clic droit dessus. Vous cliquez sur extraire ici. Enfin, faut avoir WinRAR pour ça. Et vous avez Minecraft Crack. Alors, donc je vous ai fait un petit bloc-notes. Enfin, vous pourrez lire. Et vous cliquez sur Minecraft Crack. Voilà, ça va lancer ça. Pour la première fois, ça prendra peut-être un petit peu de temps. Et voilà. Donc. Ensuite, ça se connecte. Enfin, vous avez votre truc. Vous tapez votre pseudo. Vous tapez play. Enfin, vous appuyez sur play. Et voilà, vous avez le launcher. Donc, si vous savez pas vous en servir, simplement ici vous avez la version. Donc, pour l'instant, prenez la 1.7.2, mais après il y aura les nouvelles et tout. Donc. En général, cocher use la test version, c'est pour utiliser la dernière version. Donc, bien sûr, vous pouvez installer des mods, vous pouvez faire plusieurs profils. Donc, pour bien vous montrer que ça marche, en appuyant sur play. Hop, on attend un petit peu. J'avais aussi eu des questions me demandant est-ce qu'on peut jouer en multijoueur. Oui, oui, on peut jouer en multijoueur. Alors, donc, ça se lance. Exactement comme si c'était le vrai jeu, parce que c'est le vrai jeu au final. Voilà, Mojang. Hop, donc vous, ça sera pas. Attendez, je vais juste. Ah oui, d'ailleurs, si ça vous intéresse les textures. Enfin, si vous savez pas comment faire mettre de texture pack, je vous ai mis un petit bonus avec le Faceful, donc il y a un texture pack super cool. Et comment installer un texture pack. Donc. Par défaut, vous serez comme ça. Pensez à aller ici dans Options Langue et vous prenez Français France. Prenez pas CA parce que ça, c'est les Canadiens. Voilà. Ensuite, B solo. Non, B solo ou multi. Hein. Les deux marchent. Ok. Par défaut, ils vous ont mis le serveur. Enfin, ceux qui ont créé, ils vous ont mis leur serveur. Mais vous pouvez le supprimer. Donc, solo. Nouveau monde. Donc vous le nommez comme vous voulez. Hop, entrée. Ça crée votre monde. Bon, je vous dis quand même au cas où, c'est F11 pour aller en plein écran. Ça peut toujours être utile à savoir. Et ah oui, moi j'avais des shaders. Bon voilà, donc vous avez votre Minecraft. Donc sans les shaders. Hop. Voilà. Vous avez votre jeu et vous pouvez jouer. Ok. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.